Alors, un bon nombre de croyants, comme de non-croyants d'ailleurs, sont perturbés par les événements de notre temps. Il faut dire qu'il y a de quoi. Les catastrophes augmentent, le chômage aussi, la pénurie va son plein, la confiance dans nos élites et dans nos valeurs n'existe pratiquement plus. Le ciel, décidément, se couvre de gros nuages épais et noirs, et tout cela n'annonce rien de bon. La peur, qu'elle soit exprimée ou inhibée, eh bien, elle est bien là, présente dans beaucoup de cœurs. Elle est en plus alimentée par l'inquiétude croissante des uns et des autres au sujet d'une prochaine guerre qui serait d'une ampleur mondiale. Mais ne cherchons pas à fuir la colère de Dieu, car nous sommes déjà rentrés dans le temps de sa colère. Cette colère n'arrive pas au moment de la grande tribulation, elle arrive bien avant. Pourquoi je dis cela? Elle arrive au moment où le Seigneur sort de sa demeure. Et quand il sort, c'est toujours pour exécuter un jugement. Jésus, son Fils unique, avait ce but principal. Jean 9, 39, Je suis venu dans ce monde pour un jugement. Ainsi, Jésus, contrairement à tout ce que nous raconte la religion, est sorti du Père pour manifester la colère de Dieu. Alors ce n'est pas quand Dieu ne dit rien qu'il est en colère. Il ne s'en va pas parce qu'il est en colère, il ne claque pas la porte non plus, il part sans faire de bruit, sans troubler personne, simplement parce que personne ne l'écoute, parce que personne n'obéit plus à sa loi. Mais au bout d'un moment, voyant que ce qu'il chérit le plus devient pitoyable, constatant que ce qu'il a le plus de valeur à ses yeux est à ce point misérable, eh bien à ce moment-là, il ressort de chez lui. Il se manifeste alors à nouveau. Et il décide finalement de parler à nouveau, mais sa fureur s'enflamme. Dans Ézéchiel chapitre 5, au verset 13, il dit ceci: J'assouvirai ainsi ma colère en répandant sur eux ma colère, en répandant sur eux ma fureur. Il y a beaucoup de versets qui insistent sur la lenteur de sa colère. L'Éternel est miséricordieux, lent à la colère. La colère du Seigneur est toujours en rapport avec sa patience. Il est lent à la colère dans le sens où il tolère un temps d'obscurité, il tolère un temps de déshonneur et d'infidélité répétés et même extrêmes. Puis, lorsque son peuple est quasiment, je dirais quasiment mort, puisqu'il est mort faute de connaissance, que sa gloire a été changée en quelque chose d'infâme, on lit ça dans Osée 4:7, et qu'il a atteint un point de non-retour, à ce moment-là, il rentre dans une colère sans borne. Malheur, malheur à toi, dit le Seigneur, l'Éternel, tu t'es bâti des maisons de prostitution, tu t'es bâti des hauts lieux, dans toutes les places, à l'entrée de chaque chemin. Alors, à l'ouverture du septième sceau, il y a cette demi-heure de silence, il y a ces 20 ans de silence de notre Seigneur qui laisse l'apostasie s'installer. Et cette apostasie va dévorer les 7 esprits vivants qui sont devant son trône et au milieu du trône. Et à ce moment-là, le temps de sa colère arrive. Il la déverse, sa colère, sur la terre au moyen d'un ange qui jette alors le feu de l'autel sur la terre. Et on peut lire comme en Apocalypse 8, verset 5, il y eut à ce moment-là des voix, des éclairs et un tremblement de terre. Des voix. Bien, c'est celle des prophètes et des disciples reconvertis. Des éclairs, c'est la puissance de la lumière qui révèle les œuvres de ténèbres. Et le tremblement de terre, eh bien, lui, fait effondrer les assemblées chrétiennes païennes. Alors, j'affirme que depuis l'année 2014, nous sommes déjà rentrés dans le temps de la colère de Dieu. Je l'ai dit, je le redis, le retour du Seigneur se fait par sa colère, tout comme elle s'est manifestée lors de sa première venue. Alors je me rappelle, ça c'est une anecdote, je me rappelle un matin du mois de juillet 2014, j'étais dans ma salle de bain, j'étais en train de me raser, quand tout à coup une voix intérieure m'a saisi. J'ai ressenti à ce moment-là, dans tout mon corps, un profond choc émotionnel. Jésus me faisait ressentir sa colère. J'étais, sur le moment, effrayé. Jamais je n'avais ressenti pareille chose avec le Seigneur depuis mes 25 années de conversion. Jamais.
et le mot colère résonnait en moi jusque dans ma tête. Et je me rappelle avoir déboulé, c'est bien le mot, avoir déboulé à toute vitesse dans ma chambre pour m'asseoir et retrouver mon calme. Retrouver ce calme intérieur en ouvrant ma Bible. Et là, plutôt que d'avoir un verset d'apaisement, voilà ce que j'ai reçu, voilà la confirmation que j'ai reçue. Je détruirai ce temple fait de main d'homme, et en 3 jours, j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. Avec le Seigneur, je ne sais pas si vous avez remarqué, tout vient souvent par deux. Sa colère, elle n'échappe pas à la règle. Sa colère aussi a 2 parties. Il détruit et il bâtit. Il détruit le faux temple et 3 jours plus tard, il bâtit son propre temple. Et l'ancienne alliance montre aussi cette dualité. Ésaïe 31, 9. Écoutez bien. L'Éternel qui a son feu en Sion et sa fournaise dans Jérusalem. Vous voyez, c'est un verset court. L'Éternel qui a son feu en Sion et sa fournaise dans Jérusalem. Eh bien, sa colère arrive en Sion et en Jérusalem. Mais sa colère n'est pas la même pour l'un et pour l'autre. Le feu et la fournaise sont tous deux différents. Une fournaise, c'est une fournaise qui détruit. Un feu, c'est un feu qui bâtit. Nous avons bien une fournaise qui consume dans Jérusalem, mais nous avons un feu qui brûle par l'esprit et qui bâtit en Sion. Le mot hébreu d'origine pour désigner le feu en Sion est différent de fournaise. Son sens va davantage avec les mots lumière, éclairer et briller. Mais il y a aussi un mot qui n'est toujours utilisé que pour la colère de Dieu. Et ce mot, en hébreu, c'est charon. Et on le trouve 40 fois dans l'Ancien Testament. 40 versets ont ce mot charon employé, qui est traduit en français par fureur de Dieu, colère ardente de l'Éternel. Et 40, bizarrement, c'est le chiffre d'une grande épreuve. Il y a, bien sûr, on connaît, 40 jours de jeûne dans le désert pour Jésus, 40 ans dans le désert pour le peuple de Moïse, 40 jours de repentance du peuple de Ninive, 40 jours pendant lesquels Goliath défia David, etc., etc. Charon signifie colère dans le sens de chaleur, de s'enflammer. C'est la colère ardente de Dieu, la fureur, la sainte irritation. Alors 40 ans, 40 mois, 40 jours, là, ici, le temps de la colère de Dieu est révélé. Dans quel temps vivons-nous aujourd'hui? Est-ce que c'est un temps qui se compte en années, en mois ou en jours? Eh bien là, je vous laisse à votre réflexion pour savoir quoi répondre. Ce feu, comme je l'ai dit, possède 2 particularités. Et le chapitre 31 du livre d'Ésaïe en est un parfait exemple. Au verset 3, on peut y lire la colère de Dieu qui touche l'Égypte. Et l'Égypte, on sait que c'est un peuple étranger. Ça signifie aussi cela. Alors je lis. L'Égyptien est homme et non Dieu. Ses chevaux sont chair et non esprit. Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancellera, le protégé tombera, et tous ensemble ils périront. Tous ceux qui se confient en Égypte et qui ne cherchent pas Dieu périront avec les Égyptiens. Si maintenant on voit la fin du verset 4, donc le verset qui suit le verset 3 qu'on vient de lire, de même l'Éternel des armées descendra pour combattre sur la montagne de Sion et sur sa colline. Comme des oiseaux déploient les ailes sur leur couvée, ainsi l'Éternel des armées étendra sa protection sur Jérusalem. Il protégera et délivrera, il épargnera et sauvera. Là encore, 2 versets qui montrent d'un côté une colère qui détruit et de l'autre une colère qui rebâtit. Un feu qui fait périr, puis un feu qui ne consume pas, mais bien au contraire, qui sauve. Lorsque le Seigneur dit qu'il va tirer vengeance d'un peuple rebelle, il ne fait que de matérialiser sa colère. Et dans sa vengeance est inclus obligatoirement le brisement, la repentance et le salut. Alors, bien sûr, beaucoup de questions brûlent les lèvres de certains. Et ces questions, je les ai répertoriées, elles sont les suivantes. Première question, faut-il prier pour que Dieu nous épargne? Ensuite, faut-il prier aussi pour que Dieu fasse miséricorde à ceux qui l'ont trahi
et qui se sont confiés dans l'Égypte plutôt qu'en lui. Troisième question. Faut-il prier pour que le Seigneur arrête ces guerres et toutes ces massacres horribles qu'il y a partout sur la planète et qui touchent même nos frères et sœurs? Qui va pouvoir atténuer sa colère? Est-ce que ce sont nos prières? Est-ce que ce sont vos prières, vos chaînes de prières ou vos jeûnes à répétition par milliers ou voire même par millions, par tous les croyants partout répartis sur la planète? Eh bien, je crois que la réponse est vraiment dans votre cœur. La réponse, vous la connaissez, mais encore faut-il l'écouter. Et souhaitez-vous l'entendre? Ou souhaitez-vous l'entendre à nouveau, parce que vous l'avez déjà entendu? Alors, la réponse se trouve aussi dans le livre de Josué. Et ce livre de Josué, plus précisément au chapitre 2, à partir du verset 10. Alors, je ne vais pas vous lire toute cette partie, mais je vais résumer ce que ça veut dire. La colère de l'Éternel, elle s'enflamma contre Israël à cause de son idolâtrie et de ses abandons répétés pour servir d'autres dieux. Mais quand l'Éternel leur suscitait des juges pour les délivrer de leur détresse, eh bien, ils ne les écoutèrent pas. Pire, ils persévéraient encore plus dans leur mauvaise conduite et leur endurcissement. Si bien qu'à la longue, l'Éternel Dieu décida de ne plus chasser aucune nation devant eux. Aucune. Alors si on fait le parallèle, et si vous avez bien fait le parallèle avec notre époque, la similitude est évidente. Israël, c'est l'Église, l'Église en général, les chrétiens. Les juges, ce sont les prophètes, les vrais prophètes, hein, qui se succèdent à travers tous les âges de l'Église pour avertir les chrétiens de leur idolâtrie et de leur adultère, et qui somment tout le monde, où qu'il soit d'ailleurs, de se repentir profondément. Et les nations, elles? Ben, les nations, ce sont les différentes créatures qui interviennent dans les épreuves, les châtiments, les oppressions, et qui touchent tout ce peuple incrédule. Alors le résultat, le voilà, Ézéchiel chapitre 5, à partir du verset 11. « Parce que tu as souillé mon sanctuaire, je ferai de toi un désert, un sujet de honte et d'opprobre parmi les nations. J'exécuterai contre toi mes jugements, quand je lancerai sur eux les flèches pernicieuses de la famine, qui donne la mort, et que j'enverrai pour vous détruire, car j'ajouterai la famine à vos maux, je briserai pour vous le bâton du pain. J'enverrai contre vous la famine et les bêtes féroces qui te priveront d'enfants. La peste et le sang passeront au milieu de toi. Je ferai venir l'épée sur toi. C'est moi, l'Éternel, qui parle. » Bien, quand on lit ça, ça fait peur. Ça fait terriblement peur. Et on pense que bah, ces jugements, oui, c'était pour autrefois, c'était sur le peuple d'Israël. Mais disons-le, ces mots qu'on vient de lire, si on les actualise un petit peu aujourd'hui, eh bien, on peut dire que quand Dieu parle d'opprobre et de honte, c'est la honte d'être chrétien aujourd'hui. C'est aussi la pauvreté, c'est le chômage, avec le désespoir qui va avec et qui aboutit au suicide la plupart du temps. Les maladies aussi, qui arrivent comme des épidémies, le sida, le cancer, etc. La stérilité, le fait de ne plus avoir d'enfants, le brisement de la fraternité, le brisement de l'amitié, et pour finir, le sang qui coulera par la guerre. Donc si on regarde un petit peu autour de nous, on voit bien que toutes ces situations, elles sont présentes. Alors ceux qui ont peur et qui se persuadent qu'ils sont quand même du bon côté de la colère de Dieu, ceux qui pensent qu'ils sont sous ses ailes, qu'ils sont protégés, épargnés, que Dieu les délivrera d'une mort certaine, tous ceux qui sont qui pensent être de ce côté de la colère de Dieu, pensent aussi que les seaux ne sont pas ouverts. Ils pensent que ces seaux portent avec eux des jugements terribles. Ils pensent aussi que les coupes de la colère sont pour le jugement dernier. C'est pas actuel. Ça sera pas dans les temps qui vont venir. Eh bien, tous ces croyants, toutes ces personnes s'étourdissent simplement avec des théories. Ils s'étourdissent avec des discours. Je dirais même qu'ils s'étourdissent avec des fables. Des fables qui les aident à aller dans leur sens et à accepter leur mode de vie. Ils ont un mode de vie, et là, j'emploie des mots qui sont durs, mais je m'excuse à l'avance, leur mode de vie hypocrite et stérile. Hypocrite parce qu'ils trichent, et stérile parce qu'ils ne produisent aucun fruit. Ils se cherchent en fait un voile qui leur cache la réalité, un voile qui leur cache leur réalité.
Ils croient que le temps des prophètes est fini, alors ils pensent que Dieu ne se met plus en colère. C'est parce qu'ils ont peur de ce que cela signifie. Ils ont peur des prophètes. Ils ont peur des vrais prophètes. Car à chaque fois qu'il y a eu un juge ou un prophète, Dieu s'est mis en colère. Ouvrez une concordance biblique. Regardez au mot colère. Les livres qui y font référence, eh bien, vous trouverez les livres de tous les prophètes sans exception. Et même plus, tous les livres qui vont de la Genèse à l'Apocalypse en parlent. Pourquoi a-t-on cela tout le temps? Parce que le cœur de l'homme n'a pas changé, qu'il est toujours aussi tortueux, et que la séduction du péché dirige sa vie, même quand il croit s'en être délivré. La seule réponse que votre cœur connaît est ce que dit le prophète Joël. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et il se repent des maux qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction. Vous voyez, la prière ne s'adresse pas à eux, aux autres, à une nation, mais à celui qui a peur et qui doute. Examinez votre communion. Examinez la communion que vous avez avec vos autres frères et sœurs. Examinez aussi la communion que vous avez avec ceux et celles que vous connaissez, mais aussi ceux et celles que vous avez connus. Regardez l'état général des croyants. Pourquoi y a-t-il parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts? Paul dit que c'est parce que personne ne se juge lui-même. 1 Corinthiens 11, 33. Alors, comme beaucoup refusent d'exercer son propre jugement, chacun est jugé, c'est-à-dire que chacun est châtié par le Seigneur. Nous devons absolument juger si nous sommes dignes de manger le pain et de boire la coupe du Seigneur. Nous sentons-nous coupables envers le corps et le sang du Seigneur? Alors la question, encore, c'est une question honnête envers vous. Jésus tient-il réellement la place, la première place dans ma communion avec les autres? Ça, c'est la question qu'il faut se poser personnellement. Et posez-vous aussi la question, n'y a-t-il pas un levain qui s'y est introduit? Un esprit de supériorité qui m'a amené, malgré moi, à rabaisser les autres, à les mépriser. Ne voyez pas cela comme une condamnation, mais bien comme un discernement qui vous libérera d'un jugement sur vous-même. Le sanctuaire du Seigneur est souillé. Ce sanctuaire est profané. C'est un constat général. Ce n'est pas seulement dans des assemblées de ci, de là, éparpillées. C'est un constat général. Et ne croyez pas, a priori, que votre sanctuaire, le vôtre personnellement, est forcément pur. Les sceaux ont été ouverts par l'agneau immolé, qui est Jésus. Et depuis, un esprit de destruction est rentré dans le temple. Et bien entendu, il est rentré dans votre temple aussi. À l'ouverture du deuxième sceau, au chapitre 6 et au verset 3 du livre de l'Apocalypse, le second être vivant, c'est le bœuf, c'est la communion fraternelle, la force du croyant, eh bien ce second être vivant vous invite à venir constater l'état de sa destruction, l'état de sa propre destruction. Il dit, viens et vois. Viens et vois quoi? Eh bien, un autre cheval roux sortit, et celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix sur la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Eh bien, on voit bien qu'au nom de la sainte doctrine, au nom d'une religion meilleure qu'une autre, combien le sang a-t-il coulé et coule-t-il encore? Lorsque vous n'êtes pas d'accord avec votre frère, ou vous n'êtes pas d'accord avec votre sœur, vous ne savez pas comment, mais à un moment donné, vous sortez une grande épée et vous vous séparez de votre communion avec lui ou avec elle. C'est comme si vous vous égorgez mutuellement et vous retirez la paix de là où vous êtes. Cet état, comme je l'ai dit juste avant, c'est pas un état qui est local, mais c'est un état planétaire. Et cela ne date pas non plus d'hier. Ne croyez pas que le deuxième sceau vient juste d'être ouvert, c'est faux. En l'an 1586, au Moyen Âge,
Selon le martyrologe romain, l'Église catholique romaine avait mis à mort 68 millions de protestants. C'est plus que la population française aujourd'hui. Peu importe qu'ils étaient catholiques, peu importe qu'ils étaient protestants ou autres, ils étaient frères et sœurs devant le Seigneur. Alors je pose à tous une question dure, mais nécessaire. Mais vous, qui avez-vous mis à mort dans votre vie? Qui avez-vous exclu de votre assemblée? De qui vous êtes-vous séparé? Reconnaissez une chose, reconnaissez que ce cheval roux, ce démon sanguinaire est entré dans votre communion fraternelle et qu'il a divisé, qu'il a égorgé, détruit une œuvre qui n'est pas la vôtre. Repentez-vous, allez devant le Seigneur et devant celui ou celle que vous avez offensé, devant celui ou celle que vous avez méprisé, et lavez-lui les pieds, s'il est encore en vie bien sûr. Mais quoi qu'il en soit, pardonnez-lui toutes ses fautes. Oui, je dis bien pardonnez-lui ses fautes et non demandez-lui pardon. Car on pardonnera à celui qui aura pardonné. Quand Jésus est venu dans sa colère, est-ce qu'il a demandé pardon? Est-ce qu'il a demandé pardon à la prostituée? Pardon. Est-ce qu'il a demandé à la prostituée plutôt de lui demander pardon pour toutes les offenses qu'elle a commises envers lui en péchant de la sorte? C'est pas la même chose, hein? Eh bien non. C'est Jésus lui-même qui a pardonné en premier. Pourtant, c'est lui qui était offensé. Réconcilier sur terre les choses et les êtres qui le sont déjà dans le ciel. Réconcilier, c'est assembler, rassembler en Dieu comme ce qui était au départ, comme ce qui était au début de sa création. Et au début de sa création, nous étions tous en Christ, n'est-ce pas ? Alors participez à la colère de Dieu, rebâtissez votre temple et rebâtissons ensemble son temple. Amen.